nouvelle vidéo d'Homzy. Une vidéo que je fais évidemment parce que j'en ai envie, mais aussi aujourd'hui parce que c'est un épisode un petit peu particulier. Alors aujourd'hui, on va tester une nouvelle spécificité d'Homzy. Enfin, quand je dis spécificité, si vous ne comprenez pas, on va dire quoi, une caractéristique spéciale. En effet, aujourd'hui, nous sommes sur une map qui s'appelle BOTW. C'est l'acronyme en fait du nom complet Best of the West Side Country, si je comprends bien. Et évidemment, comme vous l'entendez par le nom anglais, eh bien nous sommes sur une map anglaise. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe sur une map anglaise? Eh bien, et on change de côté. Et oui, cet épisode sera l'occasion de tester la conduite à gauche. Parce que oui, en Angleterre, on circule à gauche, vous pouvez voir justement. Par exemple ici, ben voilà, la confirmation de ce que je dis. Et évidemment, qui dit sens de circulation inversée dit changement de côté de véhicule. Donc je suis obligé de prendre un véhicule qui s'accorde avec le côté de la route. Donc par conséquent, ben, un bus qui est adapté pour la circulation à gauche. Et aujourd'hui, on va tester un véhicule. Donc c'est pas un véhicule vraiment que j'affectionne, enfin que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est, je crois, l'Enviro 400 ou 200, enfin, environ 200, ouais, c'est écrit là derrière, Enviro 200. Bon, j'utilise spécialement parce qu'on doit circuler à gauche. Donc, on va peut-être démarrer le véhicule pour que ça joue. Si le moteur veut bien s'activer. Voilà. Alors, le bruit est un peu élevé, je le reconnais. Qu'est-ce que ces icônes? Ah non, c'est bon. Peut-être activer la signalétique. Démarrer. Rentrer les codes Ibis. Alors, qu'est-ce que j'ai encore touché à ce machin? Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce machin. Alors, donc on fait la ligne numéro 35. Et on va. Alors, on est à Totnes, puisqu'on est à la destination TOT. Paynton, oui, voilà, c'est ici. Alors, je sais pas si la destination s'est affichée, enfin. Paynton, voilà. Alors, faut peut-être juste attendre qu'elle s'affiche, ou alors elle bug, je ne sais quoi. Dans le pire des cas, on testera simplement la conduite. D'ailleurs, oula, pourquoi il veut pas démarrer? On va aller en N, voilà. Ah oui, c'est le frein à main que j'oubliais. Quel imbécile. Voilà. Alors, on va aller à gauche. Alors, ma première impression déjà, c'est que ça m'a paru un petit peu bizarre de conduire à gauche, surtout lorsque vous avez l'habitude d'être à droite. Donc, ce qui fait à ce que je n'ai pas une maîtrise vraiment complète pour conduire d'un côté opposé. Donc ce sera l'occasion un petit peu ici de voir si j'ai l'air bah, ouais, de faire quelque chose d'à peu près correct. Bon, alors. Qu'est-ce que j'ai touché encore, punaise. To paint and stand, oui. Je vais à Paynton, évidemment, parce que c'est. Là je suis à TOT, hein, à Tot machin, je ne sais quoi. Ah oui. Ah, tu veux monter. D'accord, très bien. It's cold down here. Oui, je sais, il fait froid, mais attends un moment. Alors, il est quoi? 13h36 et on va. On est à Totnes Rail Station, ouais. Alors, attention, hein, c'est pas roulé bonne, hein, c'est pas, c'est un bâtiment qui a été utilisé. Donc on va. De Tot. Terminus à Paynton. Voilà, et on départ à 13h50, voilà. Les gens qui compostent leurs billets. Je vais régler également un petit détail au niveau de l'heure. Et je oui, tiens, pendant que les gens montent également, je vais en profiter pour baisser les sons d'Homzy parce qu'il était un petit peu élevé. C'est un petit peu mieux comme ça. C'est bien mieux. Voilà, les gens qui montent. À l'arrière ici. D'ailleurs, ouais, au passage, vous avez remarqué la livrée, hein, qui est
assez superbe, hein. Mais bon, j'ai pris une que tout le monde connaît, évidemment, hein. Qui ne connaît pas Pokémon, évidemment? Bon, je vous rassure, hein, j'ai pas énormément de jeux Pokémon, mais je l'ai pris parce que c'est quasiment, ouais, bon, Pokémon, je connais minimum au moins par le nom, par Sacha, par Pikachu, voilà. Je suis pas un très grand fan de Pokémon, mais voilà. J'ai juste pris, voilà, celle-ci pour, on va dire, à faire plaisir aux autres, hein, à tous ceux qui aiment Pokémon. Voilà. Pour être sympathique. Peut-être juste ouvrir la seconde porte également. Parce que oui, on n'a qu'une porte ici. Mais bon, là, on va faire un trajet intercity. Donc, à la limite, ça sert bien d'avoir beaucoup plus de place assise que... Aucune. Monsieur, faut vous asseoir, hein, si jamais. Faut vous asseoir, hein. Et au passage, n'oubliez pas les priority seats, hein, parce que bah oui, il y a des places prioritaires. Hein. Et au passage, oui, vous voyez qu'il y a des inscriptions japonaises. Je crois que c'est japonais ou chinois, je sais plus. Hein. Je sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est plus du japonais à mon avis. Bah, il y a des stickers qui ont ça justement. Vous voyez ici, par exemple, priority seat, bah. Je suis en train de voir pour essayer de les traduire en français, enfin de mettre les textes en français parce que bon, il y a en anglais donc ça convient mieux. Enfin, de base, c'est déjà de les mettre qu'en anglais. Parce que le japonais ici, ben bon, il n'est pas très, enfin, je sais pas qu'il n'est pas inutile, mais c'est qu'il n'est pas vraiment parlé quoi ici. Donc, moi, j'utilise ça pour mon intérêt personnel de modifier ces textures pour avoir un texte en français, parce que là, vous voyez, hein, c'est texte japonais, moi, j'y comprends rien strictement. À part ici où c'est écrit ABS, hein, où c'est le truc, l'anti-blocage des roues. Bon, après, il y a des trucs que j'ai déjà traduits, d'autres pas. Je veux dire, par exemple, si je change l'angle de vue, par exemple, ici, voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire ce japonais-là, mais par contre, il y a la traduction en dessous, hein. Il faut pas toucher à cette barre, parce que c'est celle qui gère les portes. Ben ici par exemple, please do not sit here, ne pas vous asseoir ici, pas de bagages. Donc ouais, donc j'ai pas encore fini de faire complètement la traduction de tous les éléments. Mais j'espère que je pourrai corriger ça, enfin faire ces modifications au plus vite. Alors on va accélérer un petit peu le temps. Je rappelle d'ailleurs au passage, est-ce que j'ai la fiche horaire qui apparaît quelque part? Je crois non qu'elle apparaît pas quelque part, quoi. Modulation, non, ça sert à rien. Ça c'est quoi? Ça j'ai rien compris, de toute façon dans le pire des cas on va faire normalement parce que le japonais, ben j'y comprends pas vraiment grand chose. Donc je suis un petit peu une merde à ce point-là. Ouais. Donc ce que je sais c'est qu'il faut que je parte à 13h50. Ah bah tiens, il y a plein de monde qui arrive d'un coup. Amusant. J'essaie de comprendre ce qu'ils disent en anglais là. Voilà tout le petit monde qui embarque. Il y a quand même quelques passagers qui sont cons de rester debout, mais. Parce que je veux dire. Voilà quoi. Alors à mon avis, ça doit être une police que j'ai dû oublier d'installer. Voilà pourquoi la girouette ne s'affiche pas en quelque sorte. Mais bon, on va pas. Perte de détails là-dessus, tant pis. De toute façon, si les gens montent là, ça veut dire que c'est bon. C'est déjà ok. Bon allez, on va pouvoir partir. Donc je fais exprès d'accélérer le temps pour générer éventuellement des passagers. Allez, fermeture des portes. Et c'est parti. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, il y a un petit défaut que je reproche là, c'est que la vue, l'angle de vue n'est pas optimisé. Ce qui fait du coup que je peux pas voir correctement les flèches jaunes là qui m'indiquent le trajet. Et je vais juste ranger le store comme ça je vois mieux à droite. Parce que oui, hein, on est en Angleterre, je le rappelle. Donc, inversion des sens de circulation. Donc, ce sera l'occasion sur cette map de tester un petit peu.
de tester un petit peu, voir ce que ça fait de changer de côté de circulation. Enfin, comme ça, voilà. Et évidemment, c'est aussi une map qui va demander de la bonne maîtrise parce que les routes sont parfois étroites. Alors, c'est pas le fait qu'elles soient étroites en Angleterre, mais c'est peut-être parce que c'est juste la map qu'il veut. Oula, putain, ça, j'ai eu peur. Alors, à droite, c'est un cul-de-sac. Donc, c'est à gauche. Donc, direction Town Center. Enfin, Town Center. Je sais pas comment faut le prononcer en anglais. Mais moi, je dis plus communément Town Center ou Middletown ou Downtown, voilà. Mais je vais pas faire un cours d'anglais ici. Oula, madame, vous vous êtes embarquée sur l'arrêt, quoi. Désolé si je vous écrase, mais... Voilà. Non, pas bah, ces passagers là qui sont sur l'arrêt, là qui... J'ai rien compris de ce que vous dites. Pourquoi ça veut pas? Fermez la porte. Voilà. Bon, alors apparemment ça a l'air d'être rapide. Enfin, si je dois reconnaître une qualité à ce véhicule, c'est que déjà il est assez rapide au démarrage. Donc c'est surtout pratique pour les distances où il y a pas mal de feux rouges ou d'arrêts justement. Donc c'est un véhicule plus communément adapté. Après, je veux dire, il y a une autre version de ce véhicule qui existe à double niveau. Non, il n'y a personne qui veut descendre, non. Non, parce que j'aurais vu un passager à gauche, ça c'est la seule porte pour sortir ici, alors voilà. Ah, bah tiens, voilà. J'ai une demande de descente. Doucement. Par ici. Slow, mais dans l'autre sens. Alors. Ah bah tiens, il y a le gars qui s'est déjà mis ici. Alors... J'ai pas envie qu'il y ait de nouveau le même défaut que j'avais cité avec le néoplan, c'est-à-dire les passagers qui se mettent là parce que sérieusement, ils me masquent mon angle de vue et ça, c'est pas très 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 pratique. Je déteste les passagers qui se mettent ici et qui me bloquent mon angle de vue, ça, c'est vraiment pas pratique. Allez, descendez. Hello, ouais. Oula, pourquoi la porte veut pas se fermer? Ah, c'est bon, ouais. Doucement. C'est parti. So, hello everyone, welcome to this bus to Paignton. A travel of about 40 minutes. Please, I hope you enjoy the ride. Bon, c'est un peu ma façon d'exercer l'anglais, mais bon. Je vais vous épargner parce que... Rien que m'entendre parler comme ça, surtout avec la voix aiguë que vous entendez, ben, c'est pas ce que vous allez aimer. Alors, bon, une des premières choses que je dois, en tout cas, ne pas oublier de faire ici, c'est de perdre mes réflexes de la droite. Parce qu'évidemment, ben, évidemment, on est en Angleterre, donc c'est à gauche. Ouais. À gauche ici. Ah ouais, putain, à gauche là. Ouvrir également le second volet, comme ça c'est plus pratique. D'ailleurs, on peut aussi activer la trappe, je crois, mais je crois qu'elle... It's rather cold. Alors, wait. So, I'll check it. How did the temperature immediately... Oh, oh, fuck it. Fuck it. Or at least you can keep your coat. Oh, can you just shut up the fuck up? Oh, attendez. Oh, j'ai mieux. Close. Non, non. Alors, je sais que c'est un My Instant là qui avec ce bruitage, mais qui est qui dit, je crois, attendez. Just fuck the shut up. En clair, bah, fermez vos gueules, quoi. Bon, évidemment, le feu rouge ici me paraît assez logique parce que la rue est étroite. Donc, pour croiser, ça va pas être évident. Alors, évidemment, je suis allé un petit peu loin au niveau de la distance comme ça, mais bon. J'étais quand même... Il y avait quand même l'arrêt ici à côté qui n'était pas...
Bon, je dis pas qu'il est mal placé, mais disons que c'était assez proche. Voilà quoi. D'ailleurs, au passage, il y a certaines voitures sur cette map qui sont mal configurées, mal adaptées, quoi. Je veux dire, voyez là, bah, le gars, il est de ce côté, alors qu'en Angleterre, bah, ce serait à l'opposé, quoi. Parce que le volant, enfin, le conducteur, doit toujours être du côté où il peut voir les véhicules croiser en sens inverse. Et justement, en Angleterre, ben, comme on est à gauche, ben, le conducteur, il doit être à droite ici, comme c'est le cas. Mais les voitures là ne le respectent pas. Mais bon, après, je veux dire, peut-être que c'est pour éviter de trop programmer, parce que faire une map sur Homesy, c'est quand même quelque chose de très laborieux, apparemment. Et au passage, non, je prévois toujours pas de map pour le jeu, parce que je n'ai pas encore les connaissances nécessaires. Et c'est un peu comme une complexité. What? Mais qu'est-ce que vous foutez sur la route, vous? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces passagers sur la route, quoi? C'est un bug ou c'est normal? Et les gens d'Angleterre, ils attendent le bus sur la route ou quoi? C'est quoi cette connerie, sérieux? J'étais prêt à les écraser, quoi, même. Bon, heureusement que j'ai désactivé les collisions, hein, parce que je sais pas si ça vous arrive, mais en gros, lorsque vous frappez un véhicule, que vous devez appeler la police, et que généralement, bah, vous appuyez sur le petit bouton standard en bas à droite, là, ben, je sais pas pourquoi, il met Feller Beyrage Prüfung, quelque chose comme ça, là. Et donc, ça fait à ce que je reçois automatiquement des sanctions, alors que je veux régler le problème, quoi. Donc ça, je sais pas si vous avez aussi ce souci, mais moi, je désactive ce genre de trucs, quoi. Il faut continuer tout droit. De toute façon, j'ai pas le choix. Hop. Ouais, il faut pas que j'oublie d'appuyer sur la touche moi. Alors, diverted traffic, ouais, donc trafic déplacé. Non, je sais pas pourquoi, j'aime bien cette map anglaise, quoi. Alors, je sais qu'il y a d'autres maps qui sont faites pour les véhicules à gauche, comme Hong Kong. Mais le truc de la map de Hong Kong, là, que j'ai déjà testé, c'est elle me paraît un peu incomplète, en quelque sorte. C'est qu'elle n'est pas, elle est pas vraiment terminée. Alors que celle-ci, ben, cette map anglaise, elle a l'air plutôt, bah, d'être réussie, quoi. Je veux dire, voyez par vous-même. Il y a plein de détails, il y a d'animations, il y a des choses qui font croire à la réalité. Les marquages au sol sont respectés, comme c'est très jaune, là. Les bâtiments, la conduite à gauche. Vous voyez, il y a plein de détails qui. Même la signalisation, quoi. Il y a plein de détails qui font à ce que je trouve cette map vraiment bien réussie. Donc moi, j'apprécie bien cette map. Donc si vous voulez la map, elle s'appelle Bus of the West Side Country, si je pense juste. Mais j'essaierai aussi de mettre le lien en description. Quant au véhicule, j'essaierai aussi d'y penser. Comme ça, vous pourrez éventuellement essayer, quoi. Parce que je vous dis, cette map, je pense que c'est enfin, un must que vous devriez même. Oula putain, j'ai foiré. J'ai un peu foiré le virage, je le reconnais. Alors, on va essayer de se mettre un petit peu plus près ici. Voilà. Bon, désolé, toi là derrière, mais bon. Mais moi, j'ai. Qu'est-ce que vous dites? Ok, y en a une qui. Ah non, c'est une qui sortait, qu'est-ce que je dis? Bref. Ouais, donc, je disais. C'est une map que. C'est même un must que vous devez avoir, parce que vu son réalisme, et si vous voulez vraiment expérimenter la conduite à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire, donc c'est-à-dire conduire à droite, eh ben je vous recommande cette map, parce que comme vous le voyez, elle est géniale. Oh my god. You can just shut the fuck up, please. Or. At least you can try to shit. At least you can try to drive at my place, so to see how it's difficult. Here you are. What are you doing here? So here we go. I go to the right. Okay. Yes, I think I go to the right. Oh, just pass.
because I don't want to wait. Okay. Yes. So. Ah, bah encore du demande d'arrêt. Bon, je vais parler en français parce que je n'ai pas envie de trop... Enfin, je pourrais parler un petit peu en anglais, mais pour mes auditeurs français, je pense que c'est mieux de vous parler en français. Parce que, bon, j'ai envie de dire, mon niveau en anglais, il est assez bien, mais... Mais j'ai pas envie de dire trop de la merde, là, donc... je préfère parler en français, quoi. So. Alors, là, bus stop here. Ok, open the door. So, just come. Hello. You don't say hi to me? Okay. Oh, there's a lot of people here. Lot of people, beaucoup de monde. Don't forget the priority seat. Of course, because priority seat is for disabled persons. Bah oui, parce que ce genre de... C'est quand même des places pour des personnes importantes, quoi. Je veux dire, les femmes enceintes, les handicapés, les mutilés de guerre, comme ça, voilà, quoi. Bon, quand je veux dire mutilés de guerre, ça veut dire des gens, bah... Je sais pas, par exemple, qui ont été blessés dans la guerre, quoi. Je veux dire, ceux qui ont, par exemple, dû être amputés ou qui ont des traumatismes, enfin, voilà, quoi. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Oula, j'ai peur que le véhicule ralentisse subitement. Mais c'était juste passé une bande, mais... Mais heureusement, elle est pas... Enfin, le terrain n'est pas trop pentu. Bref, alors... vous voyez, mais vraiment, c'est une map qui déchire, quoi. Enfin, c'est une map qui est excellente, quoi. Vous voyez le réalisme de la route, des décors. Ça donne vraiment envie, quoi. C'est une map que, franchement, vous devez avoir. Bus stop à 140 yards. Ouais, donc ça fait environ 140 mètres. Bon, alors, je me suis renseigné. 1 yard, c'est 9.1 mètres. Donc, à environ 9,1 mètres. Mais bon, on peut dire que c'est aussi 140 mètres, pour arrondir, quoi. Après, les Anglais, ils ont leur système de mesure. Hello? Hello? Ok. Ah, non, en fait, non. En fait, c'est un bug. Le gars, là, en fait, il va bien à l'arrière, mais c'est juste un bug, je pense. Donc c'est parce que vous imaginez le passager, genre, qui monte, qui... son ticket de bus et au fait non en fait il retourne sur le quai de bus quoi en fait c'est comme s'il faisait une contribution gratuite à la société de transport. On va où jusqu'à je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Je sais que c'est jusqu'à Paynton mais bon. Alors il va falloir aller à gauche ici mais là vraiment le reste de cette map je l'aime bien quoi. Alors j'ai pu lire reduce speed now, donc réduire la vitesse maintenant, ce que je vais faire un petit peu, parce qu'on va devoir aller à gauche. Allez hop. Allez hop, ça passe. Bon j'ai aussi fait exprès de mettre très peu de trafic sur la map, parce que, enfin c'est même pour toutes les maps, parce que comme ça, ça m'évite de trop... Ça m'évite à la fois de... Oh, mais taisez-vous, bordel de merde. Oh, mais ces gens qui se plaignent, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est n'importe quoi, sérieux, ils sont sensibles à la moindre vibration, presque. Hi. Welcome to the bus. Police, alors que c'est police in Britain. Where should I go? To the right. Ouais, parce que c'est un cul-de-sac en face. D'ailleurs, je me souviens quand je suis allé en Angleterre, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Ça m'a pas étonné à un moment de voir une inscription sur une rue bah, qui s'appelle cul-de-sac. Oui, je suis sérieux, c'était bien écrit... cul-de-sac comme en français.
Oh, just can you shut the fuck up, please? I'm trying to drive as my best, so if you don't like it, you can just exit the bus. Thank you. Where should I go? To the right, so... Dear passenger, I inform you that I'm not good at driving at left, so please just the fuck up. Or at heads, you can try to drive yourself. Okay, yes, because I, No, je vais dire en français, en fait, Just can you shut the fuck up, please? You are so annoying. You are annoying. Annoying passengers. Bon, ce que je disais donc, là, le bus que vous venez de voir en sens inverse à deux étages, c'est que je suis en train de lui concevoir une livrée à ma façon. Bah oui, parce que j'en avais marre de la livrée asiatique. Donc, je tenais à faire une livrée un peu à mon goût. C'est-à-dire, une livrée, que j'apprécie un peu mieux, enfin, qui est plus coutume ici dans nos régions occidentales. Alors attention, hein, c'est pas que j'aime pas les trucs asiatiques, hein. Non, 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 c'est juste parce que, voilà, je voulais changer les couleurs de livrée, voilà. Voilà tout. Bon, là, je peux aller à pleine vitesse, peu importe, parce qu'il n'y a pas d'arrêt, pas d'indication. Et puis, comme on le dit, ça vaut toujours mieux d'avoir... ça vaut toujours mieux d'avoir du temps d'avance, quoi, enfin. Le temps, c'est de l'argent, comme on pourrait le dire. Bus stop 200 yards, break now. Yes, j'ai bien dit... non, c'est pas 2000, c'est 200. Bon, c'est la pression, j'ai envie de dire, en même temps, mais bon. Reduce speed now. No, there's no people. Ok. So, I continue. Bon. Mais bon, je trouve vraiment que cette map a ce petit charme britannique et je l'aime bien. Après, si elle pouvait être agrandie, justement, je serais pas contre parce que ça pourrait rajouter de nouveaux aperçus, de nouvelles routes, de nouveaux endroits qui peuvent donner envie de conduire. Alors, attention, la route va se resserrer ici. Normalement, je peux passer, le pont il est assez haut, enfin... juste assez haut. C'est écrit quoi là au sol? Bon. Aucune idée. Mais bon. À la limite, on s'en fout. Oula. Bien rester à gauche. Slow. Ouais, parce que slow veut dire lentement. Ah, il va y avoir un arrêt là. 140 yards. Donc 140 mètres. Environ, hein, je rappelle. Slow. Est-ce qu'il y a des passengers ici? No. No passengers. Ah, j'aime bien. Les véhicules derrière, ils essayent un petit peu de me passer devant, mais ils apprendront la patience avec moi. Ah bah voilà, demande d'arrêt. Demande d'arrêt, voilà. Non, rien à dire. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire entre temps? Ah, à gauche. Ici. Alors, c'est toujours chiant parce qu'il y a au moins, dans tous les cas, une voiture qui vient exprès en sens inverse, surtout dans les cas où vous êtes un petit peu, un peu embêté, quoi. Je fasse du 40 à l'heure, c'est la vitesse. Paynton, c'est à droite, voilà. Voilà. Alors, il faut bien que je prenne en compte mes repères, faut qu'on circule à gauche. Bon, après, je veux dire, les trains aussi circulent à gauche. Mais bon, après, ça suit, c'est suivant le pays, quoi. Et bon, à la limite, le train, c'est un peu différent. Je veux dire, ça suit précisément les rails, tandis que le bus, là, ça peut aller n'importe où sur la route.
Abandoned Passengers, voilà. Voilà, descente. Goodbye. Hello. 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 You don't say hello. Ok, fuck you. Non, non, je les fuck pas. Je reste un minimum courtois. Faut aller où? À gauche. Alors, il faut que j'aille à gauche ou tout droit. C'est quoi la destination? PGN direct, ouais, bon, on va aller tout droit parce qu'on va faire tous les arrêts parce qu'on ne sait jamais s'il y a des passagers, autant les prendre. Voilà. Mais bon, les passagers qui râlent, franchement, ça c'est une des choses qui m'énerve, quoi. Ils râlent presque pour un rien, quoi. What? La personne, elle s'est presque TP, quoi. Ah oui, ce marquage au sol, c'est l'indication ben, qu'il y a, ben, y a un radar, quoi. À gauche, ici. Elle souhaite descendre, et ben voilà, on descend. Voilà, descendez. Puisqu'il n'y a pas d'autres passagers, là, d'après ce que je vois dans le rétro. Donc on continue. Bon, généralement, on devrait bientôt être à la fin, quoi. Ça fait déjà une demi-heure qu'on conduit. Donc en général, la ligne, elle n'est pas très très longue, en plus. Donc on devrait la faire assez rapidement. Il faut d'ailleurs que je revoie les durées de certains itinéraires pour que ce soit pas trop long ni trop court. À droite. Ok, c'est bon. There we go. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire entre-temps pour occuper ce temps? Ben, voilà, encore un bus avec ma livrée justement qui est en cours d'apposition, enfin que j'ai pas complètement terminée parce qu'elle est évidemment ça demande du temps pour faire une livrée, enfin suivant le type de véhicule, parce que certains véhicules justement sont pas faciles à repeindre quoi. Par exemple, un véhicule comme je crois le Scania là, le tout récent le Citywide. D'après ce que j'ai vu sur les templates, c'est pas évident de lui faire un repaint parce qu'il y a plein d'éléments dans tous les sens. Ce qui fait à ce que moi je bloque un petit peu pour refaire une livrée dessus. Donc c'est pour ça que je risque pas de proposer de livrer dessus dans un certain temps quoi. Je préfère d'abord me concentrer sur les véhicules auxquels j'arrive à leur créer des repaints. Un repaint, hein. Terme anglais qui veut dire ben, une livrée quoi une nouvelle couche de peinture quoi une façon ben, un design quoi voilà. Alors demande d'arrêt ahead only uniquement devant en franc uniquement parce que ahead si je prononce juste mais je crois que c'est ahead bon désolé de cet accent. Mais bon, je veux dire, ce que je comprends par là, c'est que ça veut dire tête, ben, donc ça veut dire le principal, donc tout droit. Donc ici, l'arrêt ici. Oula, monsieur, ne vous engagez pas sur l'arrêt avant que... Enfin, n'allez pas sur la route avant que je me sois arrêté. C'est un risque. Hello? Je danse à yellow, so fuck you. Ok. Town Center, ici. Here we are. Just go a bit. Juste que je puisse voir le feu à droite. Mais d'accord, ok, la voiture sans passager, hein. Les voitures automatiques sans pilote ont pris le relais là dans OMSI maintenant.
D'ailleurs, je sais pas ce que ça va valoir quand tu auras plus de conducteur, ça va-t-il y avoir des accidents, enfin comme ça, j'en ai aucune idée. Va savoir quoi. Ah, putain, ça me fatigue. Allez, passe au vert, s'il te plaît. D'ailleurs, écoutez le son du klaxon. Bon, il est un peu plus aigu, mais bon. Bon, allez, saleté de feu. Ah, bah, il passe enfin au vert. Voilà. Le prochain arrêt est ici à gauche, je crois. Oula, je suis un petit peu perdu. L'arrêt, je dois aller où va? Paynton, ouais, donc je vais aller à droite. Oula. Je suis allé un petit peu vite. Bon, je suis un peu sur la voie des cyclistes, mais bon, à la limite, il n'y en a pas, donc on peut s'en foutre à la longueur du terme. C'est là que je dois aller, ouais. C'est là-bas, pas ici, parce que là, c'est un coup de sac, en le disant à l'anglaise. D'ailleurs, j'ai profité pour boire un petit coup, là, en attendant que le feu passe au vert. Bah oui, ça vaut toujours mieux de boire un coup. Voilà, allez, passe. Ça, on va devoir aller à droite, là. Voilà. Here we are. Ici. Bon, là, c'est la station essence. Donc, si on veut aller, hein, fuel, hein, qui veut dire essence. Attention, hein, entre les États-Unis, on dit pas la même chose qu'en Angleterre, hein. Je veux dire, par exemple, ben, on dit, certains disent gaz, gaz avec un S, hein, bien sûr. D'autres disent fuel pour l'essence, ou encore pétrole, voilà. Attention, c'est pas le pétrole, voilà, qu'on connaît, quoi. Non, le pétrole qui est vraiment l'essence, quoi. Donc, il y a vraiment des termes différents suivant ben, la région du monde où vous vous trouvez. Voilà, quoi. L'anglais, ça reste un peu la même chose, mais il y a des termes différents qui s'appliquent. Voilà. Parce que je veux dire aux États-Unis, ben par exemple, ben, j'invente, hein. Enfin non, j'invente pas, c'est même vrai. Par exemple, ben. Oh, can you just fuck your mouth, please? Thank you. Par exemple, aux États-Unis, ben, pour les pantalons, ils disent c'est déjà quoi? Pants? Alors que. Bon, c'est un peu comme en français, un pantalon. Alors qu'en anglais, ben. Enfin, l'anglais britannique, il dit. Ben, il dit autrement, quoi. Can you just shut the fuck up, please? Il dit différemment, quoi. Ah, bah ok, parfait. Donc on va aller à droite. Désolé de te couper la priorité. Bah tant pis, il traverse, mais bon, à la limite, on peut s'en foutre. Tant que les passagers ne râlent pas, bah voilà. Par contre, là, j'ai eu peur un instant d'être dans le mauvais sens, mais non, non. Mais non, on est en Angleterre, donc on s'en fout à la limite, on est bien à gauche. C'est ça qui peut être toujours assez perturbant, surtout lorsque vous changez votre sens de circulation, quoi. Alors, c'est à gauche. À droite, c'est au dépôt. Town Center. Bus Lane, donc voie de bus, évidemment. Réservé spécialement pour moi. Donc on va en profiter pour aller un petit peu vite. Bus lane, alors il faut aller un petit peu moins vite. Pour éviter l'accident. Parce qu'en plus il y a l'arrêt qui se trouve juste là. Enfin, bientôt. Enfin, ici même. Voilà. Allez, embarquez s'il vous plaît. Ouais, il y a pas mal de monde là qui voyage. Il y a quasiment presque toutes les places qui sont prises. J'ai rien compris de ce que tu me dis, mais bon, à la limite, je m'en fous, quoi. Vous avez qu'à garder vos vestes. Et puis de toute façon, ben,
Je veux dire, le climat en Angleterre, bah, c'est pas la même chose que qu'on a en Europe, quoi. Là-bas, c'est souvent tempéré. Donc ça ne m'étonne pas qu'il fasse frais par moment. Donc à la limite, ben vous gardez vos vestes, quoi. Hé, toi! C'est quoi de traverser comme ça où il n'y a pas de ligne avant que ce soit une chose courante hein, aux îles Britanniques? Allez hop, hello. Ok, d'accord. Allez, au revoir. Merci pour les sous-sous gratuits. C'est ça qui me fait marrer. Mais bon, en réalité, oui, il est bien monté. Mais c'est juste un bug pour la position du passager à l'intérieur pour aller s'asseoir. Faudra d'ailleurs qu'un de ces temps, j'essaye de... Faudra que je vous propose une vidéo où on a vécu la double étage. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'un instant que, en fait, j'ai quasiment fait des vidéos qu'avec des... Soit avec des autobus articulés, genre le Mercedes par exemple, ou des standards quoi. Ah oui, ah oui, il faut s'arrêter, mais excusez-moi, c'est mon étourderie, mais évidemment quand je parle comme ça, bah voilà. Bon, on va dire qu'il y a des travaux là, voilà. Mais bon, passons. Non, en même temps, je veux dire, si c'est pour ça qu'on met l'avertissement de ne pas parler au chauffeur quand il conduit, quoi. Parce que ça peut être distrayant, quoi. Il peut y avoir des accidents, ça peut être des concentrations, voilà, quoi. Prochain arrêt ici. Alors, oui, bon, là, heureusement, ils sont pas trop chiants à se mettre devant mon angle de vue. Mais sur le néoplan, là, le car, que je me souviens, là, c'est vraiment chiant. Parce que c'est vraiment une vue qui est masquée, quoi. Hello? Ok, here we go. Bon, on arrive bientôt à la fin de la ligne, heureusement. Et hop. Donc ouais, cette vidéo c'est vraiment l'exception pour ah, je crois qu'il y a un contrôle radar vu que j'ai vu l'icône. Ou alors non, je crois que c'est pas l'icône radar, je crois que c'est juste une surveillance simple. Parce que j'avais déjà fait cette map, mais j'avais pas vu de boîte à détection ici quoi. Goodbye. What are you doing? Ok. There we go. Ouais, donc cette passe, c'est vraiment l'occasion de tester, je le rappelle, hein, pour refaire un rappel, mais de voir ce que c'est la conduite à l'opposé de ce qu'on a, quoi. Ce qu'on a l'habitude d'avoir, nous, à droite dans nos pays européens. Just can you shut up your mouth, please? Thank you. En fait, c'est juste, je pense que ce feu, en fait, il est juste fait pour me faire râler mes passagers, quoi. Hop. Perfect. Est-ce que j'ai une demande d'arrêt? Non, mais j'ai quelqu'un qui veut monter. Ah, bah c'est que maintenant que j'ai ma demande. Eh, les gens, si jamais. Faut demander votre demande d'arrêt largement avant, parce que sinon, je dois freiner brusquement et ça va vous faire râler. Donc, s'il vous plaît, bah, prévenez en avance. Bon, là, vous avez de la chance parce qu'il y avait quelqu'un qui attendait, mais... Là, par exemple, oui. Comme ça, je sais. Et ça évite que je vous fasse tomber en freinant brusquement. C'est ça qui est toujours chiant avec les passagers quand ils vont leur demander au dernier moment. Bon, tant pis, je passe sur le rond-point, mais... Mais bon, après, je veux dire, on est un véhicule un peu plus long, donc c'est pas évident de bien passer correctement, enfin... De toute façon, c'est quasiment aucune incidence. Il y a quasiment pas de trafic. Hop. Allô? Bon, il dit pas bonjour. Voilà. Alors, Paynton, c'est tout droit. Ouais, c'est vraiment pas pratique, vous voyez là, c'est parce que ça masque ma... Mon aperçu là, je peux pas voir les flèches vraiment précisément et ça c'est agaçant quoi. Faudrait qu'elles soient plus basses mais...
Et c'est vraiment pas pratique. Alors à mon avis, je pense que ça va être le terminus. Parce que là, je vois que les gens ont l'air de s'entasser là. À la suite. Oula, MDR, les mains qui dépassent quoi, elles ont juste envie de prendre l'air. Ah bon, on peut continuer. Et tot. Ça me fait penser à une blague que j'avais postée sur Twitter il y a quelques jours, enfin quelques heures, quelques semaines, enfin je sais plus. Mais en fait, c'est une allusion à Templier d'Outre-Tombe. Une guilde, ben, sur Minecraft. Donc je sais pas si c'est une référence humoristique à ça, mais j'y ai pensé hein, quand j'ai vu Tot. C'est juste parce que voilà, ça m'a parlé, quoi. Et moi, je suis pas les Tot, moi je suis les PGN pour Painton. Ben, j'étais à Tot avant. Enfin, je sais plus ce que c'est ce Tot, ce que ça veut dire, mais bon. Doucement, voilà. Ils sont là-bas, ça ne menait à rien. PGN, c'est à droite. Voilà, on arrive au terminus. Mesdames et messieurs, prière de bien vouloir descendre. Voilà. On va se garer ici, à la limite. Peu importe. What? Attendez. Attendez que j'ouvre la porte, bordel. C'est mieux quand vous descendez. Ouh là là, j'ai peur, comment je freeze. C'est bon. On va ouvrir le deuxième volet, ce sera plus pratique. Terminus, tout le monde descend. Moteur arrêté. Parce qu'on se met en pause là. Enfin parce qu'on a terminé le trajet. Tout le monde descend. Moi d'ailleurs la trappe elle fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, donc vous avez eu l'occasion de voir un trajet ben en conduite à. En conduite ben, à gauche, quoi. C'est quelqu'un en Angleterre. Donc j'ai été ravi de tester ben, cette méthode de conduite, enfin voilà quoi, de tester cette spécificité, enfin cette caractéristique. J'espère que vous aussi vous l'aurez aimé. Donc si vous aimez cette map, enfin si je vous ai donné envie de la télécharger, enfin, voire même si vous avez vraiment envie de l'essayer, et eh ben je vous mettrai le lien en description. Pour la télécharger. Ah, au passage également, je tiens à vous signaler une chose. Lorsque vous la téléchargez, ce que je vous conseille de faire également, c'est d'utiliser l'outil qui s'appelle Map Tools, parce que il y a des éléments dans le fichier qui manquent, comme les Scenery Objects, et vous allez avoir des problèmes pour démarrer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser Map Tools, de voir les fichiers qui vous manquent, de copier ces noms de fichiers qui manquent, par exemple Scenery Object Add-on British Steel. Ou, enfin style, vous le mettez dans votre navigateur internet et évidemment bah, après vous recherchez sur les forums et vous essayez de voir un lien où vous pouvez le télécharger et après bah, vous collez en fonction des indications. Voilà, si vous savez vous servir de Map Tools pour corriger les problèmes, alors c'est bon. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez aimé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien, enfin portez-vous bien. Voilà, allez, à la prochaine.